Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Nouveau petit vlog, weekly vlog, je ne sais pas du tout sur combien de jours va se tourner cette vidéo, mais comme la dernière fois, j'improvise. J'ai prévu des petits trucs sympas, rien de fou non plus, mais quand même des petits trucs que je voulais vous montrer, vous embarquer un petit peu avec moi pendant ces prochains jours. Donc là, on est le mardi 1er juin. Voilà, mois de juin qui commence, il fait hyper beau, je vais essayer de vous montrer ça. Je sais pas si vous verrez là, mais j'ai installé une moustiquaire du coup pour les chats. Surtout le long là même de l'autre côté, parfois j'ouvre en tout grand. Mais là comme elle est juste toute seule, je laisse comme ça. Ça va ma Mimi? Elle kiffe se mettre là, tous les deux là, et regardez. Ça faisait longtemps que je voulais mettre une moustiquaire et là je viens de le faire il n'y a pas très longtemps. Et comme ça ils peuvent regarder les oiseaux, tout ça, et rester quand même à l'intérieur. Parce que je rappelle qu'ils ne sortent pas, mais c'est quand même cool qu'ils puissent regarder dehors. Si on pose la question, alors j'ai juste fixé avec du double face scratch en fait. Pour eux ça suffit parce que je les connais très bien, ils vont sûrement pas s'amuser à essayer d'enlever le truc, de chasser les oiseaux, peu importe, ils sont beaucoup trop heureux pour ça. Mais si vous avez des chats en mode un petit peu plus casse-cou, je pense que ce ne sera pas suffisant, mais moi je sais que ça ira. Donc voilà pour ça, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, alors là il faut donc que je me fasse une petite tête. J'ai plusieurs choses à vous montrer, j'ai reçu des colis, notamment avec des ensembles de sport et 2-3 autres trucs du site YesStyle et aussi un colis make-up du site YesStyle. Vous savez que j'adore les cosmétiques de marque coréenne et tout, je kiffe. Donc j'ai trop hâte de tester ça, je pense que je vais me faire du coup un petit make-up avec. Il faut que je range mon appart aussi, ma chambre. Bon ça va encore mais... j'ai des choses qui traînent un peu partout. Ce week-end, j'étais en enterrement de vie de jeune fille pour une pote à moi. Et du coup, en fait, j'ai mon appart. Bon, là, c'est le pire. Hein, vous allez avoir peur. Une bombe est tombée ici. Voilà. Ma cuisine, à quoi elle ressemble. Ma table est pleine de colis. Et avant de me faire une tête, du coup, je voudrais vous parler de déco et de meubles. Les meubles qui sont dans mon salon, là. Donc, le meuble télé, la table basse et aussi ce meuble-là. C'était tout de la même gamme que j'avais reçu du site Pierre Import et ça fait déjà pas mal de temps. Et c'est vrai que dans mon ancien appart, tous mes murs étaient blancs. C'était blanc partout partout et c'est vrai que du coup les meubles, on va dire plus foncés, ressortaient bien. Mais là comme j'ai tout ce mur là qui est quand même d'une teinte un peu terracotta foncée selon la lumière et même en fait tous les autres murs, c'est pas du blanc, c'est du comme un peu couleur lin, taupe clair en fait, beige clair. Et c'est vrai que je me tâte à peindre ces meubles en blanc, toute la partie bois en fait. Donc laisser les parties métalliques, mais tout ce qui est en bois, tout mettre en blanc. Parce que j'ai envie que ce soit un peu plus lumineux et j'ai envie que ça ressorte un peu plus. Donc pourquoi pas? Ce serait une façon de leur donner un nouveau style au lieu d'en racheter d'autres. C'est vrai que j'ai pas non plus trouvé, j'ai déjà regardé un peu sur les sites de déco mais j'ai pas forcément trouvé des trucs qui vont taper dans l'œil, qui sont clairs et tout, parce que ouais, je voudrais éclaircir en fait un petit peu. Donc peut-être que je ferai ça dans un prochain vlog qui sera du coup un vlog déco. Du coup ce que je voulais vous montrer du site YesStyle, entre les ensembles de sport, les 2-3 autres vêtements et surtout les truc soit un make-up, enfin plutôt make-up là pour le coup, que je me suis pris. Alors il y a ça, j'avais trop envie de tester, je pense que je vais faire un TikTok dessus, donc n'hésitez pas à aller me suivre sur TikTok. C'est en fait une espèce de petite machine, enfin petite machine, comment vous expliquer ça? C'est comme ça en fait, c'est pour faire de la mousse avec genre de l'eau micellaire ou du démaquillant. Je me suis pris de la marque Shuemura, c'est un fond de teint. Jamais testé les produits de make-up Shuemura. Donc il est comme ça. Je me suis pris deux ombres comme ça. Alors moi j'adore les ombres à paupières liquides. Donc j'en ai pris une foncée et une un peu plus claire. Faut faire les touches lumière et tout. Je trouve ça hyper, hyper pratique. Ah oui, j'ai aussi pris un fond de teint sous un autre format comme ça. Avec la petite éponge là. Il y a même le concealer et le fond de teint qui sort en dessous. J'ai pris un liner. J'aime beaucoup le petit packaging vert là. Vert pastel. Donc il n'est pas vert, hein, il est noir. C'est un eyeliner feutre comme ça, c'est un bronzer ou un truc, oui voilà, palette pour le visage pour le coup avec bronzer, blush, highlighter, ça pareil, je mets de côté, je testerai ça tout à l'heure. Des blush, enfin je crois highlighter et bronzer, mais crème en fait, toujours sous forme de cœur, non mais c'est beaucoup trop chou, regardez ça, non mais j'adore, oh la teinte elle a l'air vraiment bien pour faire du contour. C'est une autre ombre à paupières liquide je crois, d'une autre marque, ouais c'est ça, ouh j'adore, ah oui la marque Rire, ça je connais. Concealer de la marque Black Rouge. Voilà, petite anti-cerne.
Ah voilà, ça c'est la palette pour les yeux. Je me disais, j'avais pris un truc quand même assez gros. C'est la marque Clio, c'est une marque que j'aime beaucoup. C'est la Prism Air Palette. Dedans, elle est comme ça. Pas mal, il y a des tons de... Beaucoup de tons de gold, mais en même temps c'est le nom de la palette, j'ai envie de dire. Ah oui, je sais pas si vous avez vu, mais mes ongles sont pas mal longs là, j'ai beaucoup de repousse. Regardez ça, et j'ai rendez-vous ce soir. Du coup, bah, je vais vous ramener avec moi aussi, faire mes petits ongles, je sais toujours pas ce que je vais faire. Ça va être de l'impro, un gloss non sticky dazzle tint, donc c'est un gloss non collant. Je vais arriver à bien vous montrer. Je pense que là la lumière est pas mal. Regardez ce fard liquide là, c'est l'espèce de marron glacé là que j'ai mis. Trop beau, vraiment trop beau. Le liner, le rouge à lèvres, enfin un gloss, mais du coup du rouge à lèvres parce que clairement c'est plutôt un rouge à lèvres liquide qu'un gloss. Hein. Très pigmenté, c'est vrai qu'il colle pas du tout. Donc, je suis très contente là de ce que j'ai pu essayer. Je valide. Maintenant, je vais essayer les autres. Les autres petits ensembles de sport là. J'aime beaucoup ce premier, regardez ça. Attendez, je me rapproche pour vous montrer la matière. C'est un peu côtelé comme ça. La couleur, j'aime beaucoup. Je n'ai pas du tout d'ensemble de cette couleur là. C'est un peu beige, on va dire beige gris. Et même limite pour, vous savez, pour traîner à la maison comme ça, un truc confortable, c'est, ça passe vraiment. J'alterne entre tenues de sport et autres. Hein. Je vous ai dit, j'ai encore donc 2-3 autres tenues, rien à voir. Donc là, j'avais pris cette robe, je savais pas du tout à quoi m'attendre. Et en fait, bah pareil, je suis très contente. C'est un peu matière mousseline comme ça, très élastique sur le bas. Il y a encore une doublure en dessous, donc c'est pas transparent. Le haut, tout est attaché, hein, mais ça fait un peu style corset, vous voyez. Et en fait, je suis grave bien dedans. C'est pas du tout trop serré. Là, j'avoue que j'ai une petite déception sur la matière, parce qu'en fait, il n'y a qu'une couche, on va dire ça comme ça. Et c'est, vous savez, matière maillot de bain, et c'est assez fin. Ce qui fait qu'on voit tous les défauts, clairement. Voyez là les moindres mini bourrelets là, enfin c'est très très fin, donc du coup et c'est même un peu transparent sur le bas, donc là ça se voit pas parce que je suis à l'intérieur et tout, mais c'est pas ouf. Ouh, j'adore. Attendez, je mets un peu plus de lumière. Regardez le bas, il est trop beau dégradé comme ça, j'en avais pas encore. La matière est ouf, c'est ultra confortable. Je pourrais pas vous expliquer ce que c'est comme matière, mais on est tellement bien dedans. Alors le haut, c'est un haut que j'avais déjà, mais pour le coup bah, ça va parfaitement bien puisqu'il est blanc, dégradé blanc. Et l'arrière, il y a aussi un petit détail comme ça de petites fronces à ce niveau là. Non mais je crois qu'au niveau des matières là, on surpasse à chaque fois celle d'avant. C'est encore plus doux, c'est encore plus doux que les matières maillot de bain. Je sais pas ce que c'est encore une fois, mais trop bien, je suis trop bien dedans. Donc celui-là il est tout simple sur le devant, et sur l'arrière il y a de nouveau ce détail là, vous voyez. Alors cette robe n'a rien d'exceptionnel sur le devant, mais par contre l'arrière, les gars, est plutôt canon. Je pense que c'est pour ça que je l'ai choisie. Regardez, c'est trop joli, avec toujours cet effet plissé. Ils aiment bien cet effet là sur ce site, j'ai remarqué. En même temps ça met bien en valeur, c'est vrai. Oui, dans 5 minutes, il faut que je parte pour faire donc du coup mes petits ongles. J'ai changé de bas, j'ai mis mon jean large, là que j'aime trop, qui vient du site Urban Outfitters. Et je vais mettre mes petites sneakers et je vais y aller. Je sais toujours pas ce que je vais faire, ça va être de l'impro, je vous montrerai ça.
Hello les amis, nous sommes donc le lendemain, le 2 juin, mercredi, avec mes petits ongles. Ah, j'aime trop, j'aime vraiment trop, tout simple, mais j'avais pas encore fait des petites flammes comme ça. Là, je me suis changée, j'ai mis mon legging de sport là, que je vous ai montré d'ailleurs hier, donc le Yes Style, j'aime trop. Et je pense que je vais faire une petite séance là, j'ai envie, je sais pas pourquoi je suis motivée, il fait beau dehors, toujours et encore. Là, on est début d'après-midi, ouais, et du coup, j'ai fait tout ce matin. Le boulot que je devais terminer encore, des factures, des trucs administratifs, vraiment pas très très intéressant, donc c'est pour ça que j'ai trop rien filmé. Mais là, du coup, ouais, j'ai envie de me faire une petite séance, donc je vais faire ça. Je sais pas encore ce que je vais faire, je ne sais pas, et je vais peut-être après, j'ai envie de prendre ma corde à sauter et d'aller faire ma petite partie cardio dans la nature, dans les champs. Je pense que je vais faire ça et je vous emmène avec moi. Du coup, je vais commencer là. Je vais vous poser quelque part et je vais faire ma petite séance. Je prends toujours les vidéos soit sur la chaîne de Chloé Ting, soit sur la chaîne de Pamela Ref. Et ma petite nouvelle qui est là. Mimi. Ça va? J'en peux plus. Je sais pas si ça se voit, que ça va encore, si je brille un petit peu quand même. Hein. Je vais donc maintenant aller prendre ma corde à sauter. Bon les gars, je suis arrivée à mon petit endroit où d'habitude je fais ma corde à sauter et tout. Sauf que nous avons un léger problème d'herbe. Regardez ça. D'habitude il n'y a rien là, c'est tout plat. J'arrive, je vois une forêt. En fait, je pense que comme je suis pas venue depuis quelques semaines, il a plu tous les jours. Ça a poussé à mort. Je fais où moi ma corde à sauter? Ah là là, en plus j'ai pris mon trépied, j'ai tout pris hein. Donc, au final je crois que je vais juste faire une marche, parce que là c'est pas possible. Regardez mon petit déj de luxe du jour quoi, non mais j'adore. Bol cake. On ne change pas les bonnes habitudes. Je vous ai donné la recette dans une vidéo que je vous mettrai dans le petit i où je vous donne 5 idées de petit-déj. Donc allez voir si jamais. Petit muesli protéiné avec fraises, framboises et un café. Voilà, indispensable. Donc je vais déguster ça les amis devant mes mails. Hier soir je me suis blindé les cheveux d'huile de coco. Je pense que ça se voit, ça se voit même beaucoup. Parce que je vais me les laver tout à l'heure. Aujourd'hui le programme... j'ai envie de faire 2-3 TikTok, donc j'ai déjà installé mon trépied là, en mode transformation et tout, c'est les trucs que je préfère faire, je trouve ça hyper fun avec les changements de tenue et tout ça, et du coup bah, après je ferai la suite quand je serai pimpée, hein, parce que là ça ne ressemble pas à grand chose, mais en tout cas ça sent hyper bon, ça sent la noix de coco, donc voilà, donc d'ailleurs, regardez qui m'accompagne. Nous avons Silver et Snowbell qui s'est endormi. Voilà, il y avait le petit truc de soleil juste ici, elle s'est mise là. Donc je vais filmer la première partie de ces TikTok ce soir. Et je pense que je terminerai cette vidéo sur ce moment-là. Je vais aller faire une terrasse resto avec une copine. Donc trop hâte de faire ça ce soir. On va aussi faire 2-3 photos avant. Parce que j'ai envie de faire qu'on fasse des photos ensemble pour mon Insta. Du coup ça va être très très chouette. J'ai déjà hâte, j'ai déjà faim. Rien que de penser à cette terrasse. Bon, j'ai commencé à me faire une tête vite fait. Est-ce qu'il y a un truc qui vous choque? Moi oui, j'ai tellement pas l'habitude, ça fait des années que je fais ma raie sur le côté et en fait là pour une coiffure que je vais faire après, j'ai besoin d'avoir la raie plus ou moins au milieu pour avoir les deux côtés pareil quoi, mais ça me perturbe à chaque fois, j'ai l'impression que c'est pas moi en fait. C'est trop bizarre, c'est pas que je trouve que ça me va pas, c'est juste que avec l'habitude forcément ça me fait un peu chelou. Dites-moi ce que vous en pensez d'ailleurs, est-ce que ça vous choque, est-ce que ça vous choque absolument pas, je ne sais pas. Des petites variantes de temps en temps,
on tente des choses. Je pense que je vais mettre un lipstick rouge d'ailleurs pour aller avec, parce que je suis en rouge. Mais ce rouge les gars, ce rouge, Martine Cosmetics, j'adore. J'adorais déjà leur rouge à lèvres liquide là. Et j'ai reçu cela, elle est sous forme de raisin, bah, je sais plus, la semaine dernière ou il y a deux semaines. C'est le Simone, il y a le crayon qui va avec, vraiment pépite. C'est un rendu plutôt mat, mais ils sont quand même crémeux à l'application, c'est pas genre le rouge à lèvres tout sec qu'on galère à appliquer, donc ça c'est cool. Et maintenant je vais faire ma petite coiffure. J'ai toujours fait l'habitude de me voir comme ça avec cette raie. C'est très perturbant. Ça donne, je vais un peu l'arranger parce que certaines bosses sont un peu trop épaisses, mais j'aime bien, ça donne un petit truc kiki, ça change en fait, petite vibe un peu années 90-2000 là, j'aime bien, pour faire des photos en tout cas ça change, donc écoutez, je vais laisser ça.